Aujourd'hui, on est en pêche du bord et on va faire de la pêche à fond capot. Donc, on va essayer de la faire mentir cette plage de fond capot. Moi, je vois ça, défi accepté. Hein. Petite plage sympa. Je vais vous montrer ça. Voilà la plage de fond capot. Il n'y a absolument personne. On va peut-être commencer là, à l'embouchure là, du fleuve, là, de la petite rivière, de Bellefontaine. Et ensuite, je pense que j'irai au bout là où il y a les rochers. Tester ça. Voilà, très sympa cette petite plage de fond capot. Allez, commençons par là. J'ai pris la canne en 10-40 et un moulinet en bobine de 3000. Donc plutôt petit matériel. Faut pas qu'il y ait une 40 de 10 kg, mais je pense que ça devrait aller. À mon avis, je suis tranquille. Si je prends du poisson, c'est déjà pas mal. On va pas faire le difficile sur la taille. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Futur cocoteraie. Du nombre de cocotiers plantés. Très sympa cette plage, hein, j'aime beaucoup. Donc là, on est dans l'embouchure. Là, il y a des petits poissons qui piquent la d'eau douce, ça doit être des mulets. Petit poisson d'eau douce. Ouais, là, je propose qu'on attaque ici. Hein. On va commencer là. Allez, on va attaquer au petit jackbait Abou Garcia, 90 mm, comme ça là, bleu, jaune dessous, on va voir ce qui marche. Si ça marche pas, je changerai et je mettrai un coloris plus passe-partout, plus argenté, noir. Mais là, un peu vif pour exciter, on va essayer. Allez, on attaque, premier lancer. Hop, à la baille, pour les vrais bails. Il y a beaucoup de cailloux, j'espère que je ne vais pas m'accrocher tout de suite. Voire pas m'accrocher du tout, ce serait pas mal. Même. Et pas me faire tromper non plus tout de suite, hein, ce serait pas mal aussi. Hein, les vagues. Allez, vas-y, va chercher bonheur. Les vagues. Ah, petite touche. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais il y a un poisson là. Alors, il n'y a pas mordu, mais j'espère qu'il va mordre. Bon, ça n'a rien donné avec le jerkbait. Je vais essayer en stickbait, en surface. À l'heure un peu transparent comme on peut voir. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, fond capot 1, moi 0. Allez, en surface. Oh là, il y a un nœud. Hein? Là, il y a eu une petite attaque.
Bon, pour l'instant, Fond Capot, il porte bien son nom. Donc, on va essayer de changer de stratégie. J'ai pas dit mon dernier mot. Du coup, peut-être que les poissons ciblés, ils sont beaucoup plus petits. Donc, je vais changer de technique et je vais passer sur la bombette et les petits octopus. Donc là, je vais mettre une bombette de 40 pour pouvoir lancer bien loin. Et derrière, je mettrai un tout petit octopus. On va atteindre des distances un peu plus lointaines comme ça. Et on va passer sur du leurre beaucoup, beaucoup plus petit. Parce que des fois, le problème, c'est que les leurres durs, si on veut les lancer loin, ils sont un peu gros. Sinon, on pêche à 10 mètres du bord. Et plus ils sont gros, moins c'est la cible des poissons. Des fois, ils sont vraiment sur des proies beaucoup plus petites. Donc, il faut s'adapter à la proie visée par les prédateurs. Quoi. Voilà, on va passer au petit poulpe et je vais voir si c'est mieux. Et j'espère que ce sera mieux. Ça suffit à un moment là. Hop, on monte la canne. Commencer par là. Hein. Ça va être pas mal. Tac. Des fois c'est l'inverse, tu prends rien avec ça et tu prends beaucoup au leurre. Aujourd'hui on va voir. J'avais refait des montages octopus justement. Tout neuf. En améliorant par rapport à la dernière fois le tuto que j'avais fait là. Donc j'ai bien amélioré la chose. Je vous ferai peut-être une mise à jour de tuto d'ailleurs. Et je vais accrocher celui-là, tiens. Partir sur le bleu vert. Hop. Et voilà. Petit bleu vert comme ça là. Si on voit. Voilà, comme ça. Allez, poisson. Ben voilà, poisson. Pas trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment tout petit. Hein. C'est une mini carangue. Bon, déjà, Fond Capot, j'ai envie de dire légende. Légende, on n'est pas capot, mais quasiment, hein, vu la gueule de ce poisson, c'est comme si. Hein. Vas-y, laisse, voilà. Petit poisson, allô. Capot, alors j'ai envie de dire menteur parce que je suis pas capot, mais vu la taille du poisson que j'ai pris, clairement il porte quand même bien son nom. Du coup, un poisson minuscule, après c'est très beau, hein. Mais niveau pêche, c'est pas transcendant quand même. Je sais pas si je vous conseille de venir là. Ah là là. Bon, allez, bonne soirée.